C'est pour moi un privilège, un grand plaisir d'être accueilli parmi vous ce matin et de recevoir ces prix humanitaires que j'ai dédiés aux femmes victimes de violences sexuelles de la République démocratique du Congo, mais aussi à toutes les femmes victimes de violences sexuelles dans toutes les zones des conflits à travers le monde. Chacun de nous peut jouer un rôle positif pour un changement vers un monde meilleur. Il y a 20 ans, mon pays a été victime d'une agression extérieure. Depuis, les guerres se sont enchaînées, faisant des millions de morts et des centaines de milliers de femmes victimes de violences sexuelles. À l'hôpital de Panzi, nous recevons les victimes de violences sexuelles dans un état piteux. Nous avons développé une prise en charge holistique pour les victimes et leur communauté. Les femmes aspirent à un partenariat de complémentarité, de solidarité avec la gente masculine afin d'assurer l'harmonie et le salut de toute l'humanité. Aussi, je profite de cette tribune pour appeler tous les hommes de bonne volonté du monde de nous associer aux femmes pour les soutenir à gagner définitivement cette lutte pour l'égalité, pour la complémentarité et la dignité. Nous comptons beaucoup sur la libéralité des lions pour faire face à ces défis. Travaillons-y, la survie de toute l'humanité en dépend. Je vous remercie.